et encore remercier notre LECAP et l'arrondissement de Farako et Droit. Et encore saluer notre sous-préfet présent. Donc vraiment, ce que le président vient de dire, c'est pas symbolique, mais c'est un acte posé pour que les uns et les autres voient que vraiment, si vous voyez, les enfants sont là, c'est pas, ils sont là parce que c'est indépendant de notre volonté, quoi. Donc s'ils sont là, c'est indépendant de notre volonté. Donc si quelqu'un a pensé vraiment de nous soutenir, vraiment on n'a pas grand chose à dire, tout simplement de remercier et encore remercier notre CAP et notre DECAP pour le courage et l'effort qu'il a mouillé pour que les enfants puissent continuer donc leurs études à Ségou ici. Donc en yéba mon nom de ama kunche na to dumai mi ala foka ala barka da ka la ambangu ba fo ka segu jenesi lokali fo ka miriala o bela jele fo le ko fe mi fo li bi le bata ka dia ngadi ka kuma na nga baba kuma na ale be frako randusuma ni dura randusuma ale de ba be representer na ame do ni ko bi donc amba fo aka sangani aka nani o temene ko fe nga Madame la directrice régionale à Fana Sikilembe, à Mibéfo. Vraiment, on connaît, on a mis de main. Comme on a commandé, on a mangé un chocolat, mais on a mis un chocolat, Donc, vraiment, on a mis de l'aide à 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 Donc, il faut que les gens ne soient pas là. Il faut que les gens ne soient pas là. Mais ni. Il faut apprécier. Donc, il faut que les gens ne soient pas là. Ajira ni ko ni soja bato ka tashwan fiye na nuyi ma fa da yi ba fa de katrola ni adama fombaye ya je crois que ne balé donné syndicat code nga syndicat code dronte ka fo syndicat code ka fo ko ma be ka revendication ka me bi anamene fe kana fe ndia bara bi kete de adna mana sende kala ay ne fana secrétaire général ayo de fo donc il y a aire bit fait do ke wati do la minu ngere u che kan ko sebe nda li sende kan ngonda akako kan ko nga bitay ngoni jamé ka te vraiment aya di kumina jina dout point mais bon nga ka ka ko kana ka nyina ko miss to ka fo ta fana mais aya di kumina akadala ka fo aya di adikuna Abina utilisé au Kechoula, Kaki Nafo Aïr, Allah Sona. Pour finir, je vais examiner ici à Ségou, compte tenu de l'aspect sécuritaire de réalité. Et on a eu l'idée de pouvoir faire une visite de courtoisie ici, faire le constat des besoins. Et entre nous, on s'est concerté qui peut faire quoi. On a eu à avoir quelques sacs de céréales, plus l'huile et plus le macaroni. Maintenant, c'est symbolique. C'est juste montrer la voie aux autres parents qui pourront faire de même. Et à te Kumbabo, maintenant, Fitini Faranyong avec Kumbakele. Vraiment, c'est l'idée qu'à Bonya Daoka, et que demander à nos frères et sœurs de pouvoir mieux faire examiner et faire, si possible, faire 100%. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Que Dieu nous aide. Merci. Merci. Je suis avec quelques membres du bureau. Compte tenu de l'aspect Covid, on n'a pas appelé tout le monde, on a appelé quelques-uns. Je voudrais vraiment qu'ils se présentent, si possible, sur le projet. Oui, allez-y. Voilà. C'est égal, on commence par toi. Ouais.
Bella Jenny Sogomo, Nettoy la Sil Bagar Fomba, je ne sais local secrétaire général et c'est vous, cercle Fomba. Moi c'est Amara Djara, je suis membre de CLG Fomba. Mamou. CLG Fomba. Moi c'est Hawa Kassé. J'avoue que le fait d'être présent à cette cérémonie, je m'en réjouis beaucoup. Je ne peux que remercier le conseil local de la jeunesse de Ségou pour avoir pensé à venir en aide à nos jeunes gens qui ont quitté derrière le feu pour venir à Ségou, continuer le reste de l'année afin de pouvoir prendre part au DR. Je les remercie beaucoup pour le geste qu'ils ont bien pensé à faire à leur endroit. Geste symbolique, d'accord, mais j'avoue que c'est un geste qui est à apprécier. Car c'est eux qui ont eu à prendre la première initiative. Et je souhaite que l'initiative qu'ils ont eu à prendre, qui est noble, que d'autres vont leur emboîter le pas afin de permettre à nos jeunes gens de pouvoir terminer l'année en beauté. Encore une fois, je les remercie. Merci encore. Et je souhaite vivement que ceux qui auront à gérer ces vivres-là vont le faire de façon correcte afin que ça puisse profiter aux bénéficiaires. Je vous remercie.